présenté est vraiment incroyable. Cette toile est très grande, il nous faut un recul nécessaire. Donc ici, elle est vraiment très bien. Très belle lumière. Ce que j'ai voulu faire dans cette toile, c'est déjà représenter ma Bretagne. Celle que je vois, celle que je perçois, celle dans laquelle je vis. On est entre terre et mer. Et puis on est ici à Saint-Paul-de-Léon, pas très loin de Roscoff, avec cette vue sur l'île de bas. Il y a vraiment une représentation assez large de la Bretagne. Je prends ici ces maisons très bretonnes, voilà, que chacun va se retrouver, un petit peu biscornu parce que ce sont dans les champs. On est sur un pays, on est dans le terroir du Léon, on le sent, ça peut être des champs de choux, des champs de tout ce qu'on veut. Voilà. On a aussi cette vue large sur la mer, mais aussi on a l'accès à cette direction vers Peravelli qui nous donne cette plage, cet univers, ces pins maritimes, et puis ce petit bout d'île de bas là qu'on devine, et le côté maritime que j'adore, moi nécessaire dans chaque toile en fait. Cette vue vers l'horizon, cette vue vers le loin, cette vue de envie de voyage, envie d'évasion. C'est vraiment le côté accroché entre terre et mer. Assez cocasse parce que cette exposition, c'est l'idée d'une balade, mais au-delà de cette balade, c'est aussi un voyage. Et moi, dans mon univers d'artiste, ce que je voulais faire depuis très très longtemps, c'est de voyager avec cette voiture. Cette balade parisienne, représentée par les trois femmes qui font une espèce de shopping du côté de Montmartre, c'était pour moi une très belle représentation de mes voyages, de mes balades et du sens que je mets à retranscrire mes couleurs et mon univers breton vers d'autres lieux. Voilà. Alors, ici, on est à Paris, on est sur des terrasses, on est sur une balade, mais on peut aussi aller jusqu'à New York, on peut aller jusqu'à la Nouvelle-Orléans, on peut aller par le paysage.